y a exactement un an, date pour date, depuis que le président de la République, Jovenel Moïse, a été lâchement assassiné à son domicile par des individus qui ont choisi délibérément de porter un coup terrible à la démocratie haïtienne. Ils ont prémédité la mort d'un chef d'État, pratique d'un autre temps, que nous pensions complètement révolue et bannie de notre histoire. Un an après cet assassinat, nous sommes encore en deuil. Le peuple haïtien est en deuil. Et cela nous oblige à nous plonger dans un profond questionnement. Comment des individus qui portent en eux un brin d'humanité ont pu froidement concevoir une telle atrocité? Comment ont-ils pu prendre le temps de se concerter pour oudir un tel complot macabre? Les membres de sa famille, ses amis, le peuple haïtien se demande encore aujourd'hui pourquoi. Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette haine et cette folie meurtrière? Un an plus tard, aujourd'hui, nous avons toujours du mal à réaliser cet épisode sanglant et barbare de notre histoire. La situation sécuritaire s'est détériorée considérablement. Tous les jours viennent s'ajouter à notre inquiétude un fait. Une prise de parole qui, avec l'effet multiplicateur des médias sociaux, nous perturbe un peu plus et ajoute à nos doutes sur les possibilités de nous dépasser, d'être à la hauteur du grand rêve et des grands sacrifices qui nous ont valu le statut de nation. Ces dernières années, nous avons expérimenté la violence sous toutes ses formes et une banalisation de la vie. Une violence des mots et des intentions, ainsi que des passages à l'acte qui ont détruit et détruisent ce que nous avons de meilleur en nous, ébranlent les fondamentaux et relativisent ce qui pourtant n'est pas de l'ordre du périssable. Ce sur quoi aucun doute ne devrait être permis, à savoir la fraternité, l'égalité entre citoyennes et citoyens. Et pourtant, les solutions pour gérer notre pays sont prévues dans le modèle même du gouvernement que nous avons choisi, la démocratie. Nous nous sommes fait mal, en toute conscience, alors qu'il suffirait que nous nous parlions, que nous discutions du meilleur pour tous, et surtout pour les femmes et les hommes qui habiteront ce pays après nous et qui jugeront cette fureur qui semble être devenue notre quotidien depuis plusieurs années. La famille du défunt, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne, ne pourront faire le deuil de cette perte tant que nous n'aurons pas fait la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tant que nous n'aurons pas découvert la vérité, toute la vérité, tant que nous n'aurons pas amené devant les tribunaux compétents les auteurs, les commanditaires de ce crime odieux. C'est à sa famille et au peuple haïtien que justice sera rendue, que la justice aura déterminé qui sont les vrais responsables de l'assassinat du président. La paix la plus fondamentale, celle des consciences, celle qui permet de se réveiller chaque matin, d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir, ne sera possible qu'avec cela,
pour les Haïtiens de l'intérieur, ceux de l'extérieur, et même pour ceux et celles qui ont une ascendance haïtienne. Je renouvelle ici, devant la nation, ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leurs juges et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives pour que plus jamais notre pays n'ait à revivre un pareil drame. Le président Jovenel Moïse n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays ni dans la société haïtienne. Il voulait que cesse cette violence aveugle qui fait trop sang couler, qui mettait trop l'eau dans le jet, qui fait trop victimes, trop kidnapping, trop zag brigantaille, gang cap simé la terreur dans tout le pays. Il voulait que les Haïtiens se réconcilient entre eux. Il voulait une autre Haïti. Il voulait changer les choses et insuffler d'autres valeurs à notre jeunesse et surtout faire en sorte que l'on fasse de la politique autrement. Mes amis, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Nous devons rebâtir la vie chrétienne vivant plus valeur. Ça, c'est une règle essentielle si nous voulons continuer à vivre ensemble, si nous voulons vivre tant qu'un monde et tant qu'une nation. Les arrivées, nous ne pouvons pas faire comme si nous ne parlions pas. L'élève pour nous comprendre, développement, c'est résultat investissement. Investissement dans le monde, investissement dans la jeunesse noire. Investissement dans stabilité et sécurité. Sécurité pour tout le monde. Dans le cadre d'une démocratie progressiste, côté tout le monde a le même droit. Je ne vais pas garder derrière. Mais je dis que un peuple qui fait 1804, il est capable de choisir le chemin de développement. Il est capable de prendre responsabilité une fois encore. Devant l'histoire. C'est joie ça qui est devant nous aujourd'hui. Je vous le dis, parvenir à maintenir durant 2 siècles le peuple dans un tel état de dénuement, de précarité, de sous-développement et d'insécurité en dit long sur la nature des forces opposées au bien-être du peuple haïtien. L'ennemi est historique, l'ennemi est fort. À nous de nous en convaincre et de prendre courageusement la décision de rassembler nos forces, nos intelligences, nos volontés, afin de mettre Haïti sur la voie du développement. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Je voudrais que la vision dont Jovenel Moïse m'a parlé en me nommant Premier ministre. Éclaire les nouvelles avenues sur lesquelles nous devons nous engager, nous et notre pays. Ces chemins tête ensemble, ces chemins dialogue, ces chemins consensus, ces chemins bon gens élection qui peut pour retirer nous dans Kachumbumbisa. M'a dit nous, démocratie, c'est une bataille permanente. Démocratie, c'est échange, c'est proposition. Démocratie, c'est troquer l'idée, c'est entente après discussion. Démocratie, pas qu'à violence ni crime. L'île, l'étang, pour jouer assassinat caractère moun, destruction, réputation moun, jouette, où était pied ou
pour mettre PAM en suspens. Progrès social et économique, c'est à tête ensemble. C'est avec un pile concession, un pile initiative et projet pour nous réaliser. Non, ça ne va pas continuer. Il faut que nous changions de comportement. Il faut que nous changions de direction. Toujours dominé par un profond numatisme, par un souci d'intégration de la grande masse, par cette générosité du cœur, le président Moïse a accordé de l'importance aux revendications de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux de l'arrière-pays qu'il considérait comme des oubliés du système. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais on ne peut pas remettre en question les objectifs visés. Nous avons entendu ce message. Nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Il nous incombe aujourd'hui de l'améliorer et de poursuivre ce combat. Jovenel Moïse tombé. On nous prend tout ça qui était bon bagaille, la caille. On nous ramasse rêve lio. Nous tous ensemble. On nous travaille pour bien-être pays à toute petite lio sans distinction. Haïtien en dedans, tant que ça cap vivre l'autre bord de l'eau. On nous travaille main en main pour réconcilier nation à toute petite lio. Dans ces circonstances douloureuses, je prends avec humilité la responsabilité de vous dire que j'entends assumer jusqu'au bout, avec détermination et patriotisme, la mission qui m'a été confiée, à savoir rétablir la sécurité et la paix, indispensable pour l'organisation des élections, et contribuer à une entente nationale, ce qui nous permettra de rebâtir sur de nouvelles bases. La mort du président doit être le dernier acte d'une période d'ignominie et d'intolérance. Puisse le rêve d'une nation haïtienne réconciliée que le président portait, une nation où tous jouissent des mêmes droits et ont les mêmes chances, où l'électricité est disponible dans les caille-pailles comme dans les grandes villas, où l'eau irrigue toutes les parcelles, devenir une réalité. C'est la meilleure façon de rendre hommage au président et d'honorer sa mémoire. C'est l'appel que je veux lancer à toutes celles et à tous ceux qui auront la lourde tâche de le remplacer à la tête de l'État. Il a voulu, à sa manière, changer le cours de notre histoire. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour travailler ensemble à la transformation de notre société. Son rêve d'une Haïti différente. Une Haïti où sera privilégié l'état de droit. Une Haïti où la justice deviendra la règle de vie de la société. Une Haïti porteuse de progrès, de stabilité et de paix. C'est ce rêve qui devrait être pour nous tous une source d'inspiration permanente.